présence de Dieu. La présence de Dieu soupire après lui. Dieu répond à la soif de nos cœurs ce matin. Seigneur, nous désirons encore plus de toi, Papa. Nous voulons que ta présence habite nos êtres. Nous voulons être complètement, Seigneur, aspirés par ta présence, transformés par ton être. Oh Dieu, viens dans ce lieu, le Dieu vivant, le Dieu qui nous a sauvés au prix de sa vie, qui habite en nous. Quel privilège, Seigneur. Nous voulons encore plus de toi ce matin. Nous voulons encore plus de toi, Dieu vivant. Jésus-Christ, tu es vivant. Tu étais, tu es et tu viens. Tu es monté sur la croix pour porter nos iniquités, nos infirmités, tout ce qui était un poids pour nous, afin de nous réconcilier avec le Père. Et ce matin, nous voulons proclamer que tu es vivant, Fils de l'homme, que tu es vivant, Fils de Dieu, que tu es vivant, Agneau de Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, Prince de la paix. Gloire à ton nom, toi qui ôtes le péché du monde. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui
Encore
plaçons notre confiance en toi. Car tu es bon, tu ne nous abandonnes jamais. Tu es le Dieu parfait. Tu es le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous pouvons placer notre confiance en toi. Tu es excellent, Seigneur. Et ce que je sais, c'est que tu réponds toujours lorsqu'on t'appelle. Tu écoutes toujours nos prières, Seigneur. Parce que tu es un bon Père. Parce que tu veilles sur notre bien. Et je sais, Seigneur, que tu écoutes quand on t'appelle. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées. Seigneur, nous voulons t'invoquer une nouvelle fois ce matin. Nous voulons t'invoquer une nouvelle fois ce matin. Nous savons que tu réponds. Nous pouvons nous approcher avec assurance devant toi, Père. Parce que tu réponds à nos prières. Est-ce que tu peux en même temps élever la voix? Est-ce que tu peux en même temps élever la voix? Est-ce que tu peux en même temps élever la voix? Dire, Seigneur, je t'appelle une nouvelle fois ce matin. Viens agir dans ma situation. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Peut-être que tu as juste besoin aussi de plus de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te veux davantage. Je te veux davantage. Tu dis que réappelle-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Il est dit que tu réponds aux prières. Tu écoutes les prières de ton peuple. Élève la voix ce matin. Dis, Seigneur, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et tu réponds toujours aux prières. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu éternel. Créateur de toutes choses. Adonai, Adonai. Tu es fidèle. Tu es toujours fidèle au poste.
Seigneur, dans ce jour que tu as fait, il nous a plu non pas de rester entre nos quatre murs, entre les quatre murs de nos maisons, mais il nous a plu de venir dans ta présence pour t'adorer. Béni sois-tu, Seigneur. Nous croyons que tu es là au milieu de nous, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Prends le contrôle de ce culte, Seigneur, tu es déjà présent. Et parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à notre esprit, parle à notre vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, le son est bon. Amen. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur. De bonnes salutations, pas les salutations diplomatiques, de bonnes salutations. Salut un frère, salut une soeur. Amen. Bénis sa vie. Merci au groupe de louange. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que ton voisin a passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alors soyez encore bénis dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Et je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur nous parlera comme il a prévu ce matin. Comme vous le savez, le grand thème de 2023, de l'année 2023, est, j'ai failli dire a été, mais est, parce qu'on est encore en 2023, est à son image pour dominer. Alléluia. À son image pour dominer. À l'image de qui? À l'image de Christ. À l'image de Jésus-Christ. Pour pouvoir dominer, pour pouvoir influencer, pour pouvoir impacter, nous avons eu ce mandat de la part du Seigneur transmis par l'entremise de notre Père spirituel pour travailler les vertus, les valeurs et le caractère de Christ. Parce que comme vous le savez, la nature entière est soumise à Christ. Tout est soumis à Jésus. Et vu que les choses lui sont soumises, quelle est la clé? Qu'est-ce qui fait que les choses lui sont soumises? C'est qu'en fait, il a une nature qui est assez particulière. Et cette nature-là, il nous en parle à travers le fruit de l'esprit. Le Seigneur nous dit, c'est quoi son secret? Qu'est-ce qui fait que la nature lui est soumise? Au-delà du fait qu'il soit Dieu, il a dit que nous sommes ses fils. Le Fils de Dieu est également Dieu. Nous sommes sur la terre, nous sommes de la nature de Dieu. Et ajouter à sa nature, son caractère, nous donnera d'avoir l'impact qu'il faut. C'est ainsi que, depuis le début de l'année, nous avons partagé plusieurs des valeurs, des vertus de Christ. Nous avons parlé de la bonté, nous avons parlé de la joie, nous avons parlé en tout cas de plusieurs de ces valeurs, de ces vertus, tous ces traits de caractère. Le mois dernier, en tout cas jusqu'à dimanche dernier encore, on a parlé de la bénignité. Acclamons le Seigneur pour le message du dimanche dernier avec Pasteur Rachel. Je bénis le Seigneur. Amen. Même moi, ça m'a édifié de là où j'étais. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Peuple de Dieu de la cité de David, habituez-vous à ne pas me voir trop souvent. C'est important. Amen. C'est important. Mais Dieu fait grâce. En mon absence, la maison est bien gardée, bien gérée. Alléluia. Lorsque nous étions à la retraite pastorale, le pasteur Mohamed, déjà à Soukot, il m'en avait parlé, mais en plus à la retraite des pasteurs, le pasteur Mohamed nous faisait savoir que une église qui n'a pas une vocation missionnaire est une église qui n'est pas en train de répondre au mandat de Dieu. Donc je sais que je voyageais déjà beaucoup. Mais quand il a dit, on dirait qu'il y a une démultiplication d'onction de voyage qui a été téléchargée pour aller gagner des âmes, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen.
qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire. Vous savez que généralement, je ne parle pas, voilà, je parle pas comme ça, mais on voit ce que Dieu fait. Je préfère ça. Je préfère qu'on voit ce que Dieu fait plutôt que, voilà. Donc, mais je sais qu'il y a des choses que le Seigneur est en train de préparer par sa grâce pour toucher encore des vies, toucher des peuples. Et c'est mon fardeau. Je crois qu'au-delà du fait que je sois pasteur, personnellement, je crois que Dieu m'a donné une grâce de missionnaire. Ouais, je l'ai découvert, J'ai commencé pasteur et tout, mais chemin faisant, j'ai réalisé que Dieu m'avait accordé la grâce, sinon le fardeau de la mission. Aller gagner des âmes, aller dans les endroits où on ne pense pas forcément. Et puis aller sauver des vies. C'est mon fardeau. Donc je ne suis pas. Je refuse d'être un pasteur casanier qui est toujours, voilà, dans sa maison, prêchant toujours le dimanche uniquement. Non. Il faut qu'on bouge pour le Seigneur. Il faut qu'on maximise les semaines, il faut qu'on maximise les mois, il faut qu'on maximise les années. Amen. À la fin de chaque année, je me suis fixé comme objectif. En faisant mon bilan, de me dire quelle nation j'ai gagné. Bon, je ne dirais pas quelle nation j'ai gagné, mais quelle nation je suis allé visiter pour Christ. Ça ne veut pas dire quelle nation où je suis allé en vacances. Voilà, on peut aller visiter une nation et puis voilà, on se visite. Ah, Seigneur, bénis la nation. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais quelle nation, poussée par l'esprit, j'ai eu à cœur d'aller visiter pour prêcher l'évangile. Ça, c'est mon pardon. Donc, habituez-vous à ne pas me voir trop souvent. Habituez-vous à ça. L'absence du pasteur n'est pas l'absence de la présence de Dieu, n'est pas l'absence de Dieu. Amen. Donc, c'est au contraire, quand le pasteur n'est pas là, je crois qu'il y a une onction même qui est là parce que Dieu est présent au-delà de tout. Amen. Ce dimanche, nous allons parler de la fidélité. Dis avec moi la fidélité. On avait parlé de la bénignité. Je donne juste un bref résumé, vraiment un bref résumé de la bénignité. Parce que moi, personnellement, le thème sur la bénignité m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment touché, ça m'a impacté. D'ailleurs, juste au passage, j'ai ramené des dévotionnels sur la bénignité, la partie 1 et la partie 2, à la fin du culte. Il n'y a pas beaucoup, hein, je ne suis pas venu avec beaucoup, donc à la fin du culte, vous pourrez vous en procurer. Amen. Amen. Voilà. Mais franchement, le message sur la bénignité m'a remué, ça m'a secoué, ça m'a touché. Et alors que mercredi, j'apportais le message dans l'assemblée du pasteur Arthur, le Seigneur m'a donné un résumé qui m'a plu. Et ce résumé-là, je veux le partager. Le Seigneur m'a dit ceci: la bénignité, c'est l'art de toujours chercher des occasions pour dire merci à Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a résumé ça. Il dit: si tu veux résumer la bénignité de Dieu, c'est l'art de toujours chercher une raison de dire merci à Dieu. Et ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Tu vois, au milieu de ce que tu n'as pas, au milieu de ce que tu aurais aimé avoir, au milieu des choses qui ne vont pas bien, le cœur de quelqu'un qui est rempli de la bénignité sera un cœur qui va chercher des raisons pour dire merci à Dieu. Tu vas chercher des raisons. Tu vas chercher. Et tu vas te rendre compte qu'en t'asseyant, en analysant, Dieu va te permettre de réaliser qu'il y a des aspects pour lesquels tu dois lui dire merci. Déjà, rien que pour la vie qu'il te donne, rien que pour la vie, ça vaut la peine de dire merci à Dieu. Alléluia! Ça vaut la peine de dire merci à Dieu. Je vous ai déjà raconté ici le témoignage. Bon, ce n'est pas un témoignage, c'est une histoire d'une dame que j'ai connue par la grâce de Dieu. Mais son histoire était vraiment difficile. Une dame qui s'est battue pour avoir du travail, elle s'est battue,
C'est une affaire qui date, je crois, de 2005-2006. C'est battu. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que malheureusement, elle est décédée. Mais c'est le jour, la semaine de son décès, les recruteurs ont appelé sur son téléphone pour dire le travail qu'elle cherchait, elle peut venir commencer. Donc la personne qui a pris le téléphone a dit, mais ah, c'est dommage, elle n'est plus là. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le mariage s'il n'y a pas la vie? Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un compte bancaire blindé s'il n'y a pas la vie? Qu'est-ce que c'est même que le travail, la promotion pour laquelle tu cours? Qu'est-ce que c'est que ça s'il n'y a pas la vie? Tout part de la vie. La vie est le plus grand don que Dieu nous donne. Déjà la vie physique et en plus la vie éternelle que le Seigneur nous offre. Amen. Donc, dans l'art de la bénignité, tu ne vas pas prendre ta vie pour un acquis. Mais tu vas réaliser que ta vie est le fruit de la bonté de Dieu. C'est parce qu'il t'aime que tu vis. Alléluia. C'est parce qu'il t'aime que tu vis. Le cœur rempli de bénignité cherchera toujours des raisons pour dire merci à Dieu. Alors fais cet exercice avec moi. Lorsque tu te sens acculé, tu te sens acculé, tu sens que tu as la pression, tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, fais cette prière simple à Dieu. Dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur des raisons de te dire merci. Fais cet exercice, tu vas voir, tu seras surpris. Je te le promets, c'est avant de conclure la bénédiction. Et je conclue avec cet exercice. C'est un défi que je te donne. Chaque fois que tu te sens acculé, tu te sens sous pression, tu sens que les choses ne fonctionnent pas, tu en as marre, comme on le dit ici, en Europe. Tu te sens au bout du rouleau. Fais cette prière. Ça ne dure qu'une seule minute. Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi, ouvre mes yeux sur des raisons de te dire merci. Tu seras surpris. Il va te rappeler certaines choses. Il va mettre le zoom sur certaines choses. J'ai compris qu'en fait, l'ennemi est un expert dans l'art de focaliser nos yeux sur ce qui ne va pas et de grossir les événements qui ne vont pas. C'est ce que le diable fait. Tout ce qui ne va pas, il va mettre un zoom particulier sur le problème. Et en plus de mettre le zoom sur le problème, il va en rajouter avec des voix dans ton cœur pour t'exciter à la colère, pour t'exciter au découragement, à la dépression. Il amplifie le problème et il t'encourage à vouloir te décourager. Mais l'art de la bénignité sera de laisser Dieu amplifier les petites choses. Tu vas amplifier les petites choses, les petites choses, les petites choses. Et puis tu vas voir que ta vie sera beaucoup plus heureuse qu'elle ne l'est. Parce que tu sais dire merci. Un jour, Jésus a guéri 10 personnes. La Bible dit les 9 autres, dès qu'ils ont constaté leur guérison, ils sont rentrés. Mais il y a un qui est revenu sur ses pas pour dire merci. Et c'est bizarre. Jésus, généralement, Jésus est très doux, hein, vous savez, on le connaît. Jésus est doux, mais il sait être dur aussi. Parfois, il était dur avec les sacrificateurs, les pharisiens et tout. Mais dans le discours général de Jésus, c'est un discours très encourageant, très fortifiant et tout. Mais ce jour-là, il a été particulièrement très acerbe envers les 9. Il dit, mais où sont les 9 autres? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ce monsieur-là, juste lui seul, venir me dire merci? Ça veut dire que la dureté que Jésus a employée pour faire cette remarque, ça suppose que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Il ne le fait pas pour qu'on lui dise merci, mais quand on lui dit merci, il est content. Parce que c'est une preuve que tu n'as pas négligé ce qu'il a fait dans ta vie. Amen, 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 amen. Amen. Acclame Dieu pour ça. Bénis le Seigneur. Commande toujours à ton âme de bénir le Seigneur. Commande toujours à ton âme de bénir le Seigneur. Si tu demandes même à Bill Gates, il a des problèmes, il va te dire oui, il a des problèmes. Oui, ça peut être difficile à croire, mais Bill Gates a des problèmes. Le PDG de Tesla a des problèmes.
Le PDG d'Amazon, il a des problèmes. Si tu lui dis qu'est-ce qui te manque, il va te faire la liste. Tu seras étonné. Tu as dit, hey, toi aussi. Amen. C'est pour dire qu'en fait, tant qu'on est sur la terre, les challenges, c'est un dénominateur commun pour tout le monde. Mais ceux qui voient le surnaturel de Dieu sont ceux qui décident que leurs yeux ne vont pas regarder le problème, mais leurs yeux vont regarder les solutions. Leurs yeux vont regarder ce qui va. Alléluia. Garde la télécommande de ta vie dans ta main. Tu sais, quand tu regardes la télé, tu zappes et puis tu vois une chaîne qui ne te plaît pas, tu as la possibilité de changer, n'est-ce pas? C'est pareil avec tes yeux, avec la télécommande de ta vie. Lorsque ton cœur va zoomer, si ce qui ne va pas, faut zapper. Tu zappes, tu passes à autre chose, tu regardes ce qui est bon. À force de méditer sur ce qui est bon, de bonnes choses vont environner ta vie. Amen. Et ta destinée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler de la fidélité. La fidélité de Dieu, dit avec moi la fidélité. Et pour pouvoir parler de quoi introduire ce thème, nous allons prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, et je veux lire à partir du verset 1. La Bible dit ceci: Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Amen. Je vais m'arrêter là et nous rentrons dans la parole. Bien-aimés, ce texte nous parle de Daniel. Daniel, qui était un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, mais qui était en captivité. Déjà même, on voit l'origine, on voit comment est-ce que Daniel est arrivé dans ce royaume-là avec les chapitres précédents. Donc tu as toute l'historique, comment est-ce qu'ils ont été déportés, lui et ses amis, ils sont arrivés
dans un royaume très puissant de l'époque. Donc le royaume-là les avait vaincus et les avait fait captifs. Et arrivé en captivité entre les mains de ce roi-là, ce roi a trouvé qu'ils avaient, ils avaient quelque chose de particulier. Donc il a décidé de voir comment est-ce qu'il allait les former pour qu'ils soient des leaders dans son royaume. Des gens qui sont venus comme captifs. Mais il avait vu quelque chose d'assez particulier en eux. Il s'est trouvé que Daniel, comme le texte l'a dit tout à l'heure, avait un esprit supérieur de Dieu. La grâce de Dieu travaillait en lui. Et j'ai particulièrement aimé ce que les gens ont dit. En fait, dans ce contexte du chapitre 6, les personnes cherchaient une occasion de pouvoir le casser. Ils cherchaient une occasion pour le dénigrer, pour le briser, pour que son élévation ou ce dont il a bénéficié de la part du roi lui soit retiré. Donc ils étaient en train de botter, de fomenter un coup pour pouvoir l'atteindre. Mais la Bible dit, ils n'ont pas réussi à trouver quelque chose dans sa gestion parce qu'il était fidèle. Waouh! La fidélité. Rien qu'à méditer sur ce texte, tu te rends compte que la fidélité est une protection. La fidélité est une protection. Ce texte le dit clairement. Ils n'ont pas pu atteindre Daniel parce qu'il était fidèle. En voulant le prendre au piège dans la gestion de ce que le roi lui avait confié, il ne trouvait rien à lui reprocher. Parce que Daniel était fidèle. C'est le gars, si le roi a dit, fais ça, tel que ça a été dit, fait. Si le roi lui dit, voici Daniel, on t'a confié ceci, gère. Daniel le faisait, mais excellemment bien. Il le faisait bien. On regardait son travail, tout était nickel. Rien à lui reprocher. Alors ils se sont dit, si on ne peut pas la voir dans la gestion du royaume, là où on peut la voir à coup sûr, c'est dans sa gestion de sa foi. Et donc, ils disent au roi de prendre un décret pour interdire les prières à d'autres dieux. Donc à cette période, pendant 30 jours, c'est le roi seul qui devait être prié. Quand Daniel a entendu ça, c'est là même que sa fidélité pour Dieu a pris une autre tournure. Rien que dans ce test, bien-aimé, je veux te faire ressortir deux axes de fidélité que Daniel a manifesté. Daniel a manifesté la fidélité vis-à-vis du roi et Daniel a manifesté la fidélité vis-à-vis de Dieu. C'était ça, les clés du succès de Daniel, de la grâce de Dieu de Daniel. Fidèle vis-à-vis du roi, fidèle vis-à-vis de Dieu. Et à un moment donné, ces deux fidélités-là ont failli se confronter. Parce que le roi prend un décret pour dire, maintenant, pendant 30 jours, c'est moi qu'on doit prier. C'est comme ça, tu fais quoi? Je suis fidèle au roi. C'est le roi même qui a donné le décret. Donc, comme il l'a dit, même si je ne le prie pas, quand même, je vais stopper mes prières parce que le roi a parlé. Mais non. Daniel a persévéré dans sa fidélité à Dieu. Lorsque le roi a voulu challenger sa fidélité à lui. Et je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, tout ce que le roi lui confiait de faire, il le faisait bien. Le jour où le roi a voulu que sa fidélité pour Dieu soit brisée, il a refusé de briser sa fidélité à Dieu. Il a préféré briser sa fidélité pour le roi. Parce que Daniel était fidèle. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la fidélité était devenue dans son cœur, comme une forme de conscience. C'était quelque chose d'ancré, d'établi dans son cœur. Tant que ce que le roi demandait n'entravait pas sa foi, il n'avait aucun souci à faire diligemment, de manière diligente, de manière excellente, de manière irréprochable ce que le roi voulait. Le roi
au-delà des compétences, maintenant il voulait se jouer de Dieu. Daniel dit non, ça ne peut pas marcher. Je n'ai qu'un seul Dieu que j'adore. Et quand le décret a été pris, il est monté dans sa chambre, il a ouvert sa fenêtre. Bon, s'il fermait la chambre, s'il fermait la fenêtre, qui l'aurait vu? Personne ne l'aurait vu. Il y a des fois où le Saint-Esprit ne nous a rien demandé, mais nous, on veut se jouer les gens les plus sages que Dieu. Parfois, tu dis, bon, là, je vais prier dans mon cœur. Là, je vais prier. En tous les cas, la Bible dit d'aller dans le lieu secret. Donc, je vais me mettre dans le lieu secret, je vais prier. Si Daniel voulait prier en secret, personne n'aurait su. La fidélité est une valeur extraordinaire. Lorsqu'ils ont voulu le casser vis-à-vis du roi, il était tellement fidèle au roi qu'ils n'ont pas pu le casser. Et lorsqu'ils ont voulu le casser dans sa foi, il était tellement fidèle à Dieu que Dieu l'a protégé. C'est comme si Daniel, des deux côtés, il était irréprochable à cause d'une valeur, la fidélité. Combien de fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, on n'a pas l'équilibre de ces gens, de ces fidélités. Parfois, on est fidèle aux hommes et pas à Dieu. Parfois aussi, on est fidèle à Dieu, mais pas aux hommes qu'il a établis sur nous, même dans le monde séculier. Ce n'est pas le cas de Daniel. C'est l'une des raisons qui a fait que Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu l'a arrosé, Dieu l'a inondé. La fidélité est cette valeur-là qui fait que tu seras distingué. Regarde ce que la Bible dit en Proverbe chapitre 20. Elle a comme affiché le texte de Proverbe 20:20. Non, Proverbe 20, verset 6. Merci. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Lorsqu'on dit que beaucoup de gens proclament leur bonté, la Bible est en train de parler de compétences. Beaucoup de gens peuvent proclamer qu'ils sont excellents, qu'ils sont talentueux, qu'ils sont forts, qu'ils sont capables. Mais la Bible dit, les gens fidèles, on les cherche. Les gens compétents, on les trouve. Mais les gens fidèles, Dieu les cherche. J'ai compris une chose avec Dieu. Tu peux être moins compétent, mais si tu es fidèle, tu seras compétent. Amen. Tu peux être très compétent. Et ce qui va se produire, c'est que si tu es compétent sans être fidèle, tu seras déchu. C'est un principe. C'est un principe biblique qui est très fort. Être compétent sans être fidèle, ça envoie la déchéance. Parce qu'à un moment donné, la compétence va te faire monter, va te monter à la tête. À un moment donné, la compétence va développer en toi l'orgueil. À un moment donné, la compétence va te faire dire que non, toi, si toi tu n'es pas là, si toi tu, c'est pas toi qui fais, personne ne peut faire aussi bien que toi. Alors que ça, c'est une erreur à ne jamais commettre avec Dieu. Dieu dit, si vous ne me louez pas, je suis capable de susciter des pierres. Pourquoi il n'a pas dit, je suis capable de susciter d'autres hommes et puis il dit des pierres? En fait, Dieu est en train de dire que si vous vous croyez peut-être trop important pour ne pas me louer, c'est ce que vous négligez là que je vais prendre. Et puis je vais élever ça pour vous humilier. La compétence est bien, mais la fidélité est mieux. Alléluia. Il y avait dans le royaume de Dieu trois archanges excellents qu'il avait suscités. Les archanges, c'est un peu comme les généraux de l'armée céleste. Donc, il y a une classification. Il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les séraphins. Je sais que les plus gradés, c'est les archanges. Après, un chérubin, séraphin, tout, et puis il y a les anges normaux. Mais les trois plus gradés, à l'origine, c'était Lucifer, Gabriel et Michael. Les trois généraux. Et chacun avait sa fonction. Lucifer, son rôle, c'était d'organiser la louange.
organiser l'adoration à Dieu. Et il était excellent. Lorsque la Bible décrit dans Ézéchiel qui il était, la Bible te dit que c'était quelqu'un de beau. Dieu même était fier de lui. Dieu l'aimait. Amen. C'est un peu comme si il était le chouchou de Dieu. Il était le chouchou de Dieu. Gabriel, l'archange chargé des messages. Le messager par excellence, celui que Dieu envoie pour délivrer des messages. Michaël, l'archange en charge du combat. Mais un Dieu qui n'est pas adoré, c'est bizarre. Donc Lucifer avait l'un des rôles les plus sensibles et les plus glorieux. Il était excellent dans sa tâche. Mais à un moment donné, l'excellence lui est montée par la tête. La Bible dit qu'il a été rempli d'orgueil. Et son orgueil l'a emmené à vouloir faire, à vouloir prendre la place de Dieu. Dieu l'a déchu. Et quand Dieu a fini quand Dieu a fini de le déchoir, ce qui s'est produit, c'est que Dieu a créé Adam. Il a créé Ève. Il a pris des gens à partir de la poussière. Et puis il a décidé que vous, vous allez me louer. Lucifer n'a pas été créé à partir de la poussière. Il a été créé en gloire et en majesté. Mais lorsque celui qui a été créé en gloire et en majesté a fini par se trouver trop compétent, trop orgueilleux, Dieu l'a brisé et puis il prend la poussière. Non seulement lui-même il a été réduit, il a été jeté, et puis Dieu prend des êtres vils. Et puis il dit, vous allez me louer, vous allez m'adorer. Même quand Adam a péché, Christ est venu nous a rachetés. Et puis Dieu continue de nous dire, je cherche des adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce que Lucifer a laissé, il pensait que en laissant, ça allait créer un déséquilibre. Il n'y a jamais de déséquilibre avec Dieu. S'il y a un déséquilibre quelque part, c'est que Dieu n'est pas là. C'est que Dieu n'est pas dans la place. Mais quand Dieu est vraiment dans la place, il ne peut pas avoir de déséquilibre. Parce que Dieu suscite. Et l'un des critères dans le recrutement de Dieu, c'est-à-dire, supposons que quand on dit Dieu recrute, Dieu observe le CV de chacun. Mais dans le CV que nous lui présentons, dans le CV de nos vies, il y a une valeur que Dieu recherche. C'est la fidélité. Il dit plusieurs peuvent proclamer leur bonté. Mais quelqu'un de fidèle, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. Parce qu'il sait que quelqu'un de fidèle, même si la personne n'a pas la compétence, elle va apprendre, elle va chercher à avoir la compétence. Amen. Même si la personne n'a pas le talent, elle va avoir le talent. Amen. Pourquoi? Parce que la fidélité ouvre la voie à la compétence. Amen. Mais la compétence, au contraire, n'ouvre pas forcément la voie à la fidélité. Développe la fidélité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est quoi la fidélité? C'est quoi être fidèle? Lorsqu'on dit, on parle de fidélité, on parle de la capacité à pouvoir tenir un engagement jusqu'au bout. Amen. C'est ça la fidélité. Tenir un engagement jusqu'au bout. Alléluia. Tenir un engagement jusqu'au bout. Ça s'appelle de la fidélité. Supposons que Jésus est venu mourir à la croix. Et puis quand il vient, les pierres là le fatiguent. Judas le fatigue. Et puis à un moment donné, il dit, bon vous là, c'est bon même. J'étais venu mourir pour vous à la croix. Mais c'est bon. Vous me fatiguez trop. Seigneur, envoie les anges, ramenez-moi au ciel. Alléluia. Mais là, c'était gâté. Que serions-nous? Qu'aurions-nous été? Mais Jésus vient. Il affronte la méchanceté des hommes. Il affronte les défis. Il affronte les challenges. Mais malgré tout ce qu'il affronte, la décision qu'il a prise de venir mourir à la croix, cette décision demeure. Ça s'appelle de la fidélité. On ne peut pas parler de fidélité. Généralement, la fidélité,
tu vois la fidélité à la fin du parcours. Il y a deux manières de voir la fidélité, soit à la fin du parcours, soit après une épreuve. Un mari, par exemple, qui dit, je suis fidèle, moi, je suis fidèle, qui n'a jamais eu une occasion de cheat, il ne peut pas dire qu'il est fidèle. Il pense qu'il est fidèle. En plus, c'est comme ça, si tu n'as jamais eu une occasion, il faut dire, par la grâce de Dieu, je pense que je suis fidèle. Il faut être humble. Alléluia, il faut être humble. Sinon, si on veut parler de fidélité, Joseph, lui, il peut ouvrir sa bouche et il va parler. Parce que le gars, il était esclave. La femme de Potiphar, c'était une dignitaire. Cette femme-là, elle pouvait en griffe changer sa vie. Le gars, il regarde, il dit non, les valeurs de mon Dieu. Je ne renierai pas mon Dieu pour ce que toi, tu veux me donner. Donc, je demeure fidèle. Peut-être le gars, s'il dit, je suis fidèle. On peut l'écouter, on peut croire. Je te dis ça pour te faire comprendre que la fidélité est éprouvée. Et quand Dieu dit qu'il cherche des gens fidèles, comment Dieu trouve les gens fidèles? En faisant passer des tests régulièrement. Et tu es testé. Regarde un voisin, dit tu es testé. On dit, tu penses qu'on ne te voit pas. Mais tu es testé. Oui, 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 tu es testé. Parce qu'on sait si tu es fidèle à travers des tests qu'on te fait passer. Parce que parfois, attendre la finalité, là, c'est trop long. Donc, en attendant la finalité, on te met devant des situations, on te met devant des challenges, on te met devant des schémas, on te teste. Sinon, pourquoi Jésus avait dit, tu as été fidèle en peu de choses, on te donnera les plus grandes choses. Ça veut dire que pendant que tu avais les petites choses, là, tant que tu pensais qu'on ne te voyait pas, mais tout le ciel était là et quand on te regardait, on t'observait. Dieu nous observe. Amen. Avec les petites choses qu'il nous confie, il nous observe. Et là, il nous regarde. Est-ce que tu sais que même au travail, tu es observé? Tu n'envoies pas la monnaie. Tu vois, même si le boss n'a pas dit « et ma monnaie », et tu fais la course, il met le budget, tu fais la course, reste un petit 50 euros. Bon, qu'est-ce que c'est que 50 euros pour une entreprise qui brasse des milliards? C'est rien. Toi, tu prends, tu gardes, tu te dis, ah, s'il n'a pas demandé, puis souvent, là, comme ça, on se dit, hein, s'il n'a pas demandé, c'est que je dois garder la monnaie. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? S'il n'a rien dit, il dit, s'il n'a rien dit, c'est que c'est pour moi. Donc, tu gardes les petits 50. En temps, il y a une promotion qui doit venir. Puis les gens vont débattre. Lui, là, qu'est-ce que vous pensez de son profil? Lui, là, vraiment, il garde les 50 euros. Hein. Depuis qu'on envoie les 50 euros qu'il a gardés, ça peut faire même 5000 euros. Tellement il garde, il fait les je retiens. Il garde la fidélité. Tu as observé. Même si les caméras de l'entreprise ne te voient pas, il y a les caméras du ciel qui te voient. Tu as observé dans tout. Tu as observé. Parce qu'en fait, Dieu a un grand besoin de gens fidèles. Tu as un grand besoin. C'est comme s'il y a une pénurie de gens fidèles à travers le monde. Il y a une pénurie. Donc Dieu cherche des gens fidèles pour leur confier des choses importantes. Donc, il va nous passer en revue. Il nous regarde, il regarde nos manières de faire, nos attitudes, nos petites choses et tout. Il regarde. Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements? Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements? Est-ce que tu es fidèle dans, quand tu dis, je vais faire, tu fais. Moi-même, je te parle là. Dernièrement, Dieu m'a repris. Hein. Ah ben oui, moi je suis très transparent. Dieu m'a repris. Et parfois, je dis, je t'appelle dans la semaine. Et puis il y a beaucoup que je n'appelais pas. Un jour, le Saint-Esprit m'a récupéré. Il dit, mais hé, ta parole doit avoir du poids. Si tu dis, tu vas faire.
arrange-toi, faut faire. Donc depuis ce jour-là, il m'a dit ça. Quand je dis à quelqu'un, je vais faire ceci, automatiquement, je prends mon téléphone, je mets ça dans l'agenda et je me mets au moins 3 rappels. C'est-à-dire, si je n'ai pas fait, c'est que vraiment, peut-être le niveau d'occupation était tel que j'ai oublié. Mais je me mets 3 rappels. Le Seigneur m'a interpellé là-dessus. Il dit, veille à ce que tu dis. Un truc. Quand tu te rends compte, si un jour je veux que tu sois président, tu as dit, oui, je fais ceci, et puis tu ne fais pas. Je fais ceci, et puis tu ne fais pas. Non, le Seigneur m'a repris. J'ai dit, papa, j'ai compris. Vous savez, ce n'est pas toujours quand c'est des bons témoignages, il faut rendre. Ah, le Seigneur m'a visité. L'onction était là. Non, le Seigneur m'a visité et puis m'a repris. Il dit, corrige ça. Quand tu donnes une parole, il faut respecter ta parole. Alléluia. Donc, tel qu'il m'a repris, moi aussi, je te reprends au nom de Jésus. Que nos paroles aient du poids. Que nos paroles aient de la valeur. C'est ça la fidélité. Prenez un engagement, puis tenir ça, aller jusqu'au bout. Lorsque tu n'as pas la possibilité d'aller jusqu'au bout, au moins il faut justifier, il faut qu'on sache. Lorsque tu prends un engagement, fais des points régulièrement. C'est une preuve de fidélité. Et on te confie quelque chose, mais il n'y a jamais de points. Quand tu ne fais jamais de points, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que quand on te confie une responsabilité, quand on te confie, on te donne quelque chose, dis-toi que tu représentes la personne qui t'a donné le mandat, qui t'a donné l'autorité afin d'agir. Donc tu es testé. Dans toutes ces petites choses, tu es testé. Mais au-delà du test qui peut se limiter à une organisation, lorsque tu réussis au test de la fidélité, c'est un peu comme si dans le cœur de Dieu, tu montes dans l'estime de Dieu. Oui. Tu montes dans l'estime de Dieu par ta capacité d'être quelqu'un de fidèle. Et tu vas te rendre compte que si tu développes cette vertu, tu développes la conscience de la fidélité, tu n'as pas idée des opportunités qui vont venir à toi. Tu n'as pas idée. Il y a beaucoup d'opportunités que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore eues, juste parce que Dieu ne t'a pas encore trouvé suffisamment fidèle pour les envoyer à toi. Regarde ce qu'il dit en Luc chapitre... Là, envoyez-moi le texte de Luc, s'il vous plaît. Le texte, le verset de Luc... Luc 19, verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de divine. Et tu as été fidèle en peu de choses. C'est-à-dire, Dieu a pris le temps de te sonder sur de petites choses. Il a pris le temps de t'évaluer sur des choses simples. Et puis, il s'est rendu compte que la manière dont tu gères avec diligence, la manière dont tu gères avec excellence, la manière dont tu tiens bon dans l'engagement, on ne peut pas parler de fidélité si tu n'as pas eu d'opportunité d'abandonner. Je ne sais pas si tu vois. Si tu n'as pas eu d'opportunité d'abandonner, en fait, quand tu fais quelque chose et que c'est bon, c'est chic, tout est intéressant, tu n'es pas encore fidèle. La fidélité va s'évaluer dans les moments où ce sera compliqué de faire. C'est ça, fidélité. C'est-à-dire travailler à maintenir le standard, à maintenir l'engagement, à maintenir sa décision en dépit des vents et des circonstances. Travailler à ça. Travailler à ça. Et tu te dis, c'est vital. C'est vital, je l'ai dit, je dois le faire. Même lorsque tu n'as pas la force, le Seigneur est notre réservoir de ressources. Seigneur, je n'ai pas la force, fortifie-moi. Comme Christ a été soutenu et fortifié à Gethsémané. Alors qu'il n'avait plus à un moment donné la force, mais le Seigneur l'a fortifié. De sorte à ce que ce qu'il a dit, il aille jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Et qu'il atteigne pleinement la mission que le Seigneur lui avait confiée. Je prie que ta vie rentre dans une phase d'excellence et de fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rentre dans une phase de fidélité.
Sois fidèle dans chacun de tes engagements. Sans te laisser détourner et sans te laisser décourager. Par quoi que ce soit. Parce que tu es testé. Parce que Dieu te regarde. Si tu devais résumer le message de ce matin, si tu devais résumer et en faire un leitmotiv, c'est « Je dois être fidèle parce que Dieu me regarde. » Oui. Je dois être fidèle parce que Dieu me regarde. Parce qu'il te regarde, tu dois être fidèle. Parce qu'il te recherche, tu dois être fidèle. Parce que cette petite fidélité va engendrer, comme il a dit dans Luc 19, 17, va engendrer quelque chose de plus grand. Tu dois être fidèle. Dans nos états, combien de fois Dieu voit des gens qui ne sont pas fidèles lorsqu'ils font des promesses électorales. Je vais construire ceci, je vais faire cela. À l'époque, on me parlait d'un maire. Dit le maire, quand il a fait sa campagne, il est venu, il a dit, oui, je vais bitumer telle voie et tout. Il avait 5 ans de mandat. Donc, son projet était tellement intéressant que les gens ont voté. Il a fait 4 ans, il n'a pas fait. Le début de la 5e année, il est venu, il a fait juste la moitié. Et puis après, il est reparti en campagne. Il dit, vous avez vu, j'ai fait la moitié. Élisez-moi encore et je ferai l'autre moitié. Vous avez vu au moins que j'ai commencé. On ne peut pas laisser le travail comme ça. Il faut que... En fait, s'il n'est pas fidèle, il y a beaucoup de personnes comme ça dans nos états. Des gens qui ne sont pas fidèles dans la gestion des populations. Qui vont accepter que des grands groupes viennent parce que les gens vont leur donner des mallettes d'argent sous la table. Vont accepter de leur signer des contrats. Alors que ces contrats-là sont destructeurs pour la population. Des gens qui, avec le budget de l'État, vont faire ce qu'ils ont envie de faire au détriment du peuple. Vous pensez que quand Dieu voit ça, Dieu est content? Non. Dieu n'est pas content de voir ça. Dieu n'est pas fier. Mais en même temps, il ne trouve personne. Il ne trouve personne dans son église qui peut être une solution. Il ne trouve personne qui peut être une solution. Or, Dieu veut que nous soyons une solution. Ouais. Dieu veut que nous soyons une solution. Je crois que si tu es fidèle, les portes que Dieu va t'ouvrir, tu n'as pas idée. C'est un peu comme si la fidélité que tu vas développer va faire en toi, ça va faire que tu vas attirer à toi, tu seras comme un aimant, tu vois, non. Tu vas créer un champ magnétique qui va attirer à toi les opportunités. Parce que quand tu vas voir qu'à côté de toi, les gens ne sont pas fidèles, il va dire non, cette opportunité-là, envoyez-la à telle personne, envoyez-la à telle personne, envoyez-la à telle personne. À Soukot, le pasteur Romain nous disait ceci. Il dit, la bénédiction, quand Dieu bénit, c'est exécuté par les anges. C'est-à-dire, Dieu ordonne à des anges d'aller prendre les bénédictions puis de les envoyer dans la vie de ses enfants. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Les portes qui seront ouvertes dans ta vie, ce ne sera pas un hasard. C'est déclenché par le mouvement de Dieu qui fera, qui dira aux anges, allez prendre ça et puis confier ça à celui-là. Vous savez qu'il y a des transferts qui se font spirituellement. Il y a des transferts qui se font spirituellement. Dieu peut t'avoir confié quelque chose. Dieu peut t'avoir donné quelque chose. Maintenant, quand il va voir que ce n'est pas fait comme il faut, il va envoyer des anges. Il va dire, allez retirer. Et puis donner ça à telle personne. C'est ça la parabole des talents. On a donné 5 à un, 2 à l'autre, 1 à l'autre. Celui qui a été infidèle, ce qui s'est passé, c'est qu'on dit, Seigneur a dit, allez lui enlever ce qu'il a pu, donner ça à celui qui avait les 5. Il y a des transferts comme ça que Dieu fait. Ta fidélité va attirer des transferts favorables dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Rien que ta fidélité, rien que ta fidélité. Être fidèle, c'est une clé. Jésus a été fidèle. Si nous voulons lui ressembler, soyons aussi des gens fidèles. Alléluia. Que nos paroles aient du poids. Que partout Dieu nous testera dans les petites choses, Dieu nous voit fidèles dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. C'était juste l'introduction de la fidélité. Dimanche prochain, on va
approfondie. Je veux que tu te tiennes debout, nous allons prier. Ce sujet est trop important. Ce sujet est très important. Je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient trois archanges. Lucifer, le plus excellent, le plus beau, lorsqu'il a chuté, il a été rempli d'orgueil. Dieu l'a déchu, mais il s'est trouvé que Gabriel et Michael n'ont pas changé leur cœur. Ils n'ont pas changé leur démarche, ils n'ont pas changé leur route. Ils auraient pu se dire, ah, on a été avec Lucifer, il nous inspirait tous. Donc, on va le suivre. Lucifer a réussi à prendre un tiers des anges. Mais il n'a pas réussi à prendre les autres, ni les autres archanges qui ont décidé d'être fidèles. La première rébellion qu'il y a eu de l'histoire de l'humanité, bon, pas de l'humanité, mais de la première rébellion, c'est la rébellion dans le royaume des cieux, Dieu lui-même, Dieu bon, est Seigneur. C'est dans ce royaume-là qu'il y a eu la première rébellion, le premier conflit. Mais malgré ça, certaines personnes ont dit fidélité à la feuille de route que Dieu nous a donnée. Alléluia. Dieu cherche des gens fidèles. Dieu cherche des gens fidèles. Dieu cherche des personnes fidèles. Des gens fidèles à qui il va confier des entreprises. Des gens fidèles à qui il va confier des états. Des gens fidèles à qui il va confier son peuple. Des gens fidèles. La fidélité que tu vas manifester, la fidélité dans les petits projets qu'il mettra dans ton cœur, va déclencher de grandes grâces pour plusieurs. Dieu cherche des gens fidèles. Dieu cherche des gens fidèles. Élève la voix, bien-aimé, prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu que tu veux être trouvé fidèle. Dis-lui que tu veux être trouvé fidèle. Candelébouché dans la brasse. Élève la voix, bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Aide-moi à être fidèle, Seigneur. Fidèle dans mes engagements. Fidèle dans mes décisions. Fidèle dans le petit. Fidèle. Être fidèle. Amen. Amen. Apocalypse 19, verset 11 nous dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. L'un des noms de Christ dans l'Apocalypse, c'est fidèle. Alléluia. C'est fidèle. L'une des phrases avec laquelle il veut accueillir ses serviteurs, ses enfants, c'est bon et fidèle. Dieu veut t'appeler fidèle. Parce qu'il veut que tu sois fidèle. Alléluia. Que Dieu te rende fidèle dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu teste ta fidélité.
Et il faut que ta fidélité résiste à l'épreuve de tous les tests que Dieu te fera passer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Élève la voix et dis, Seigneur, aide-moi. Lorsque tu me feras passer les tests, donne-moi de rester, de demeurer fidèle dans le nom de Jésus. C'est le fidèle qui hérite de la grâce. Parle à Dieu. Mets la main sur le cœur, lève l'autre main et tu vas répéter avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toute voie de séduction pour m'empêcher à développer le caractère de la fidélité comme Christ, que ces voies s'éloignent de mon cœur. Que ces voies s'éloignent de moi dans le nom de Jésus. Je décide d'être fidèle. Je décide d'être comme Christ. Tel il est, tel je suis. Il est fidèle, alors je suis aussi fidèle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu cherches des personnes fidèles. Trouve-moi, Seigneur. Trouve-moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce, dans le nom précieux de Jésus, d'être restauré de toute forme d'infidélité qui se trouvait dans mon cœur. Et de développer en moi, dans ma vie, cette valeur, dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. On peut se rasseoir. C'est la fidélité qui a qualifié Élisée. Là où les fils de prophètes ne lui disaient, ton maître sera enlevé, reste. Il dit non, je le suis. Élisée même à un moment donné lui a dit, reste, pourquoi tu me suis? Non, je vais te suivre. Alors Élisée lui dit, Élie lui a dit, si tu arrives à me voir, alors que je serai enlevé, alors tu prendras le manteau. Non seulement il a été fidèle dans le suivre, mais il a été fidèle en gardant les yeux malgré la tempête. Parce que le tourbillon soulève le vent, ça soulève la poussière et ça empêche la vision. C'est le fidèle qui hérite. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle. Ça doit être une de tes valeurs, une de tes vertus. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Si tu avais des engagements que tu avais pris, des rendez-vous que tu avais promis à la fin du message. Parce que parfois aussi, on oublie les rendez-vous et puis on ne s'excuse même pas. Alléluia. Tu peux appeler les personnes. T'excuser, reprogrammer et faire quelque chose de nouveau. Amen. Mais décide que c'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un. C'est pas que tu le fais parce que tu as peur des gens, non. Et aussi, c'est pas que tu le fais parce que tu veux qu'on dise que tu es bien. Pas du tout. Si tu cherches ton nom, tu vas le perdre. Ne cherche pas à le faire pour qu'on dise que tu es bien. En fait, j'ai compris que la fidélité commence non pas dans la bouche des autres. Ça commence pas dans ce que les gens ont dit sur toi. La fidélité commence
dans ce que toi-même, ta conscience là, c'est rempli de cette valeur. Je le fais parce que c'est ce que je suis. Je le fais parce que c'est comme ça que je suis. Qui s'est remarqué, qui n'est pas remarqué, moi, je suis quelqu'un de fidèle. Amen. Qu'ils aient vu, qu'ils n'aient pas vu, c'est ma nature. C'est comme ça que Christ est, donc c'est comme ça que je suis. Et je te promets que plus tu vas grandir dans cette valeur, plus tu vas grandir dans cette vertu, Dieu dira à des anges, j'ai confié tant, telle chose à telle personne qui n'entend pas, soit allé rajouter ça à telle personne. Voilà pourquoi dans le règne spirituel, on dit, on donne à celui qui a. Pourquoi on donne à celui qui a et qu'on ne donne pas à celui qui n'a pas? Parce que généralement, celui qui n'a pas ne sait pas gérer ce qu'il a. Il ne sait pas gérer le peu qu'il a. Et celui qui a est quelqu'un qui a réussi à super bien gérer le peu qu'il a. Donc quand Dieu voit, ce n'est pas la quantité de ce qu'il possède. Parce que le ciel, ce n'est pas le communisme. Le mouvement communiste dit, il faut prendre les biens, il faut répartir de manière équitable. Au ciel, ce n'est pas comme ça. Au ciel, si tu en as, que tu es quelqu'un de fidèle, tu travailles bien, on va encore rajouter. On va rajouter. Tu en as, mais on rajoute. Parce qu'on ne sait pas à qui donner. Vous n'êtes pas nombreux à être fidèles. Donc les seuls qui sont fidèles, on leur donne seulement. On leur confie. On leur confie des responsabilités. Amen, amen, amen. Amen. Que cela soit ta conscience. Que cela soit ta mentalité. Tu n'abandonnes pas. Ta parole a du poids. Ce que tu dis, tu fais. Et tu seras surpris. Sois transformé au nom de Jésus. Amen. Accompagné par le groupe de louange, nous allons apporter au Seigneur, selon qu'il est écrit, apporter à la maison du trésor nos dîmes, nos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 10. C'est à vos groupes de louange, l'accueil, vous pouvez faire passer également les paniers. Reçois-les, agrée-les favorablement dans le nom puissant de Jésus.
Amen, amen, amen. Alléluia. Je veux également nous encourager pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce qui concerne la campagne Jésus sauve Afrique qui aura lieu au Bénin dès cette semaine. Ne laisse pas cette histoire, ne laisse pas cette campagne s'écrire sans toi. Amen. Donc, il y a eu des enveloppes qui ont été partagées. Ceux qui ont leurs enveloppes, n'hésitez pas à envoyer. Nous allons, dans un élan de salut, dans un élan de personnes fidèles. Parce que, rappelez-vous, Jésus pouvait dire, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. C'est l'une des dernières instructions qu'il a données à l'Église. Et on doit être fidèle dans cette instruction-là. Sois fidèle. Même si tu n'as pas la possibilité de partir au Bénin de manière physique, tu peux partir sans voyager à travers ton offrande à cette croisade. Amen. Gloire à Jésus. Alors. Y a-t-il des nouveaux qui nous visitent pour la première fois? Si c'est ton premier culte à Vase d'honneur Genève, on veut t'accueillir, te recevoir à la manière Vase d'honneur. Donc, si tu es nouveau, tu vas te tenir debout. Y a-t-il des nouveaux? Il n'y a pas de nouveaux. Tout le monde a déjà fait au moins un culte ici. Ça veut dire que vous n'avez pas invité. Vous êtes venu à des voitures, des places. Les places étaient vides. La prochaine fois, invitez un voisin, invitez un ami, invitez quelqu'un. Amen, amen, amen. Afin que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur. Ok. Donc, je vais passer la parole au pasteur Rachel pour la Sainte Cène. Et je déclare que Dieu te rende fidèle. Que Dieu te rende fidèle au nom de Jésus. Amen. Tu mets ton esprit, ton
tu nous fais de pouvoir venir à ta table, communier avec toi. Nous voulons te dire merci parce que c'est un privilège, c'est une grâce que nous reconnaissons. Ce matin, tu nous as parlé de la fidélité, Saint-Esprit. Et je veux m'appuyer sur cette parole dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 1, au verset 9. Le Seigneur dit, Dieu est fidèle. Lui qui nous et qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous reconnaissons que la fidélité est une vertu de Dieu à laquelle nous voulons et que nous souhaitons tous avoir manifesté et révélé dans nos vies, dans nos caractères. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit de s'approcher de la table de la Sainte Cène avec discernement. Nous voulons discerner le corps et le sang de Jésus ce matin et reconnaître que nous soupirons après cette vertu-là. Et nous voulons rappeler que celui à qui nous sommes rattachés, lié par le sang de Christ, a la capacité de faire refléter en nous sa nature fidèle. Amen. Alors bien-aimé, tu vas ce matin prendre ce que des yeux physiques appellent le pain. Mais nous, par l'action de grâce, nous savons que ce n'est plus du pain, ce n'est pas du pain ordinaire, mais c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas lever le corps de notre Seigneur, on va ensemble rendre grâce à Dieu. On va dire merci au Seigneur pour sa nature fidèle qui se répand en nous au travers de ce repas que nous prenons avec lui. Lui qui connaît nos défaillances, lui qui connaît nos limites. Et je crois par son esprit qu'à chacun de nous, il donne de discerner l'aspect de la fidélité dans lequel il a besoin d'être étiré encore. Ensemble, mangeons le corps du Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous reconnaissons ta fidélité. Nous savons que tu nous communiques ton caractère de fidélité. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur. En signe d'abandon, en signe d'action de grâce. Et nous allons dire merci au Seigneur pour son sang qui parle pour nous. Ce sang fidèle là, qui ne nous fait jamais défaut, malgré nos manquements, malgré nos erreurs. Ce sang là qui est toujours là pour nous relever. Ce sang qui est toujours présent pour nous corriger. C'est une preuve de fidélité. Rendons grâce au Seigneur pour son sang qui a coulé à la croix pour nous et qui parle dans nos vies aujourd'hui encore. Ensemble, prenons le sang de notre Seigneur. Que quelqu'un qui croit que le Seigneur l'emmène à une autre dimension de fidélité peut acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc nous voulons partager les annonces de la semaine. Alors nous rappelons à tous que la COM a un nouveau numéro sur lequel vous pouvez, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, des précisions à avoir, vous pouvez vraiment envoyer des messages pour que la COM vous réponde. Et le programme de la semaine sera envoyé, comme à l'accoutumée, via Telegram, amen, sur nos téléphones mobiles. Donc restons connectés, ne ratons pas les informations de la semaine. Alors on veut vraiment rendre grâce au Seigneur parce que ce vendredi, c'est terminé nos 10 jours d'intercession. Amen. On a eu 10 jours d'intercession. Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas, vu le nombre de personnes qui étaient absentes. Voilà, soit beaucoup ne savaient pas, soit beaucoup, bon voilà, ont peut-être choisi de ne pas se connecter pour prier pour l'intercession. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Tant que c'est de la fidélité aussi de pouvoir se tenir à la brèche quand on donne des instructions et de dire on se connecte pour prier pour une nation, c'est une forme de fidélité. Amen. Le Seigneur ne va pas on n'attend pas toujours que tu viennes devant le Seigneur avec tes sujets personnels, mais il est important que tu puisses aussi porter le fardeau des autres. Amen. Parce qu'en portant le fardeau des autres, quelqu'un portera aussi toi aussi ton fardeau un jour. Tu ne connais peut-être pas le Bénin, tu connais peut-être personne au Bénin, mais c'est important de soutenir cette œuvre-là, comme le pasteur l'a dit, par tes offrandes et par ta prière. Et durant 10 jours,
Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie du groupe d'intercession. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu vraiment? C'est un groupe formidable qui travaille dans l'ombre. Voilà, et qui fait des choses extraordinaires. Ils sont restés, elles sont restées 10 jours. Parfois, elles étaient 2, parfois 3. Voilà, parce que c'était peut-être pas un moment de feu où le pasteur Pierre allait venir dire « Venez prier pour vos délivrances, il n'y avait personne. » Mais elles sont restées fidèles pendant 10 jours, 2 fois dans la semaine. Et vraiment, c'est acclamé. Je crois que le Seigneur qui a vu leur sacrifice va récompenser en fait tout ce qu'elles font dans le secret. Amen. Et je crois que ce qu'elles sont en train de bâtir dans le ciel, vraiment, c'est pas de la blague. Amen. Alors, donc cette semaine, on va reprendre nos matinales de prière, les mercredis et les vendredis, donc de 5h à 6h sur Zoom. Et le mercredi, on aura le temps de la parole à 20h45. Vous avez les programmes J'aime, qui, voilà, tels qu'ils ont été libellés dans vos différents groupes par rapport aux jours qui vous sont dédiés. Voilà, vous savez que vous devez vous retrouver avec vos responsables J'aime pour prier. C'est aussi de la fidélité. Amen. Alors ce samedi, on l'avait annoncé la semaine dernière, nous avons une session de baptême. Amen. Alors on veut encourager vraiment les frères et sœurs à se mobiliser, à venir autant que faire se peut, venir soutenir nos frères et sœurs qui vont passer par les eaux du baptême. C'est un moment important pour eux. Voilà, donc soyons une famille, soutenons-les, venons nombreux. Et ça sera ce samedi à 14h en ce lieu. Amen. Donc vraiment, si le samedi, voilà, tu as 1 heure, 2 heures de temps à passer ou bien à venir consacrer à tes frères, fais-le pour tes frères comme tu aurais voulu qu'on le fasse pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse déjà pour, parce que tu répondras lui à cet appel. Alors, nous voulons diffuser en fait des vidéos de la campagne Jésus sauve Bénin. Amen. Donc je laisse la com prendre le relais. Nous sommes là, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Nous sommes à la dernière ligne droite. Tous au Bénin, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Nous sommes à la dernière ligne droite. Tous au Bénin. Tous au Bénin. Tous au Bénin. La campagne Jésus sauve, c'est le départ. Nous allons au Bénin. Rendez-vous au Bénin. Aujourd'hui, les missionnaires sont faits. Et ça, ce que le Seigneur avait déjà prévu. Les vies doivent appartenir au Seigneur. Nous croyons que la bataille, la victoire est pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Tu veux y participer par tes dons? Choisis l'une des formules suivantes. Tu peux faire ton don en espèces dans les différentes églises vases d'honneur, par Mobile Money, à partir des numéros suivants. En ligne, par virement bancaire, par PayPal, à partir de l'application Club de Vie. Ou en scannant ce code QR. Pour toute information, Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis Madame de Dieu, membre du Club de Vie de 2019 à 2021. J'ai passé mon temps à faire des fausses couches. Et tout ce qui nécessite la maternité demande beaucoup d'argent. Et nous avons passé du temps à dépenser notre argent. Et en 2022, nous avons décidé ceci. On ne fait plus de dépenses pour chercher quoi que ce soit. On se laisse entre les mains du Seigneur. C'est ainsi que moi, j'ai décidé d'augmenter ma participation à Club de Vie. De 5 000, je suis passé à X 000. Et je vous assure, 2022 n'a pas fini. Voilà le Seigneur qui me visite à une grossesse. Mon problème n'était pas de tomber enceinte. Je tombe facilement enceinte, mais les grossesses n'arrivaient pas à terme. Pour qu'une grossesse arrive à terme, c'est une grâce de Dieu aussi. Et cette fois-ci, ma grossesse arrive à terme. J'ai accouché. Moi et le bébé, nous allons bien. Je veux t'encourager. Toi, tu n'honores pas ton engagement à Club de Vie. Pardon, viens honorer ton engagement. Notre Dieu est fidèle. Que toute la gloire revienne à notre Dieu.
Campagne Jésus Sauve Afrique. Un lieu, Bénin. Une date du 8 au 25 novembre. Le ministère Message de Vie de l'apôtre Mohamed Salomo sera au Bénin pour une grande campagne d'évangélisation. Parakou du 8 au 10 novembre. Boïcon du 15 au 17 novembre. Cotonou du 23 au 25 novembre. Bien-aimés, soyons tous des acteurs de la gloire de Dieu au Bénin. Département de la Com et de l'Écodim qui recrute. Donc pour tous ceux qui souhaitent rejoindre la Com, donc rejoindre l'Écodim, vous êtes priés de vous adresser justement à la table du fond. Donc allez là-bas, on va prendre votre nom, vos contacts, et puis vous allez être contactés, justement vous allez être recontactés, appelés pour qu'on puisse s'entretenir et vous intégrer dans les différents départements que vous souhaitez intégrer. Le dimanche prochain, nous avons deux cultes. Donc à Genève, 10h30 et à Lausanne, 16h30. Amen. Le pasteur l'a déjà annoncé, nous avons également les dévotionnels qui sont disponibles. Donc les dévotionnels sont en deux parties. Le dévotionnel sur la bénignité est en deux parties. Vous avez la partie 1 qui fait office d'un dévotionnel et la partie 2, deuxième dévotionnel. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de la sœur Delphine. Delphine, lève ta main s'il te plaît. Donc la sœur Delphine, voilà, pour qu'elle puisse prendre vos commandes et puis vous remettre vos dévotionnels. Alors, je n'ai pas les prix, mais bon, on va vous les donner, elle va vous les donner, ça va lui être communiqué et puis on va vous les donner tout à l'heure. Alors, si vous permettez, on va se tenir tous ensemble debout pour prier pour la fin de ce culte. Seigneur, nous te rendons grâce et vraiment nous te disons merci pour ce temps de grâce, ce temps de bénédiction. Nous sommes venus dans ta maison et je le crois, Seigneur, nous ne repartons pas vides. Nous ne repartons pas sans avoir reçu de toi. Je crois, Papa, que ta parole est venue nous guérir, nous relever, nous encourager, nous redresser là où on avait besoin d'être redressé. Merci, Seigneur, parce que cette semaine, tu nous donnes de faire un pas de plus dans la fidélité. Nous avons compris que c'est une vertu importante. Dans les petites choses, c'est vrai, le pasteur a parlé de la vie spirituelle. Il a parlé du travail. Il a parlé de notre engagement dans la maison du Seigneur. Mais Seigneur, bien au-delà, enseigne-nous la fidélité, même à la maison, dans nos petites choses, dans nos familles, envers nos enfants, nos conjoints. Apprends-nous vraiment à être des personnes fidèles. Apprends-nous à être des personnes fidèles, fidèles même dans les dons et les talents que tu nous donnes. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'apprendre de toi. Avec humilité, continue de faire ton œuvre de transformation dans nos vies toute cette semaine. Nous avons déjà été bénis et nous croyons, Père, que cette semaine sera riche en témoignages. Tu nous étires dans la prière, ô Père, dans ce temps de la fin. Tu nous enseignes, Papa, que la prière est une clé importante. La prière n'est pas du superflu. La prière n'est pas accessoire. La prière est vitale pour le chrétien. Elle est vitale pour nous. Elle est vitale pour que nous puissions voir ta gloire et tes promesses manifestées dans nos vies. Encourage ceux qui sont affaiblis dans la prière. Relève-nous, Seigneur. Que ce soit une semaine de feu. Une semaine où nous allons te chercher de tout notre cœur. Une semaine où nous allons rester attachés à toi. Nous partons, mais nous partons avec toi. Et comme le pasteur Ivan, l'oncle de la maison, pouvait dire, Seigneur, la fin de ce moment n'est pas la fin de ta présence. Ta présence demeure avec nous dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellent culte. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.